à tous, aujourd'hui les gens on est sur Arc, mais un tuto pour manipuler la manette, les touches. J'ai beaucoup de gens qui plaignent parce qu'ils savent pas comment jouer. Alors d'abord je vais expliquer les touches par rapport à la manette. Il y aura une photo à chaque fois quand je vais vous expliquer les touches, comme ça vous le savez. Il y aura pas de voilà, ça vous savez. Puis franchement normalement j'ai bien expliqué, j'espère de réussir. Normalement, je vais vous expliquer, et normalement, après, par rapport aux touches, vous êtes tranquille. Alors, juste deux secondes, je vois qu'il y a un petit problème déjà par rapport au... Voilà, déjà comme ça va être plus beau. C'est bon, alors, je vous explique. Il y a déjà celle-là, cette touche-là que je vous montre en photo, qui va être... qui va être peut-être là ou en dessous. Je sais pas où je vais le mettre, mais ce sera... Attendez. Hop, de ce côté ou de ce côté. Qui va montrer. Là, c'est pour déjà bouger le perso. Là, vous avez le caméra. Qui est normal. Après, vous avez la touche normale. Hein, X. Hein, on peut pas louper. Après, il y a la touche triangle. Triangle, c'est pour ramasser hop, les choses qui sont aux alentours. Mais oui, mais oui, mais oui. Après, la touche triangle sert aussi à la touche triangle sert aussi à monter sur les bêtes et à sortir des bêtes. Mais attention, n'importe quelle créature, c'est triangle pour monter dessus. Hop, on va prendre par exemple est-ce que t'as une selle toi? T'as une selle? Non, t'as pas de selle. Salaud. Bon, mon dragon, je sais que lui il a pas de selle. Bon. Voilà, hop, tu montes dessus. Et pour redescendre, retriangle. Mais attention. Après, vous pouvez voir les paramètres de Crécode. Vous maintenez triangle. Après, vous pouvez voir tous les paramètres des monstres. Voilà, comme ça, vous savez. Et pour... hop, je vais vous montrer. Je passe juste en dessous, excusez-moi. Excusez-moi. Pardon. Comme ça, vous voyez, touche, qu'est-ce que ça sert. Il sort pas beaucoup de choses, mais bon, pas beaucoup de choses. Il sort quand même pas mal. Hop, on va juste prendre de la viande, par exemple. La touche triangle, comme vous avez pu voir, attendez, on va faire un truc plus simple. Comme ça, vous voyez. Là, la touche triangle sert aussi à diviser l'oursus que vous avez tiqué, divise par deux. Voilà, ça comme ça, vous le savez déjà bien. Et comme là, vous voyez que je range, je maintiens en fait X pour que ça mette de l'autre côté. Là, il n'y a plus de place, voilà pourquoi j'arrive pas. Mais par exemple, on va prendre ça, hop, je maintiens sur X et je l'ai juste là. Et hop, je remets. Il est dans l'inventaire. Voilà. La touche rond. Très important. C'est pour accéder à vos inventaires, thèmes et d'autres choses. Mais ça, voilà. Ça, je vous expliquerai plus tard. Rond, il sert pas grand chose à part aller dans l'inventaire. Je crois que c'est déjà pas mal. Après, vous avez la touche. Car je vous ai dit. Non. C'est fait. Pour aller dans les inventaires des monstres. C'est déjà pas mal. Hop, excusez-moi, sort, merci. Après, vous avez la touche R2 pour frapper, frapper, tirer. Attendez, tirer. Est-ce que j'ai au moins quelque chose pour. Attendez, je crois que j'ai quelque chose pour moi pour tirer pour vous. Il est où? Ah, il est là. Oui, vous voyez tous ces monstres que j'ai en a fait normalement. C'est-à-dire que j'ai réservé des serveurs, puis on les a timés, voilà. Alors c'est quand même normal. Hein. Pas de jugement, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai déjà pris le bon? Oui, j'ai déjà pris le bon. Alors c'est déjà, je vais me sentir moins con. Hop. Vous pouvez voir, hop, la même touche pour tirer. Après, la touche carré, elle sert aussi à charger les armes à feu. Qui est normal. Ouais, excusez-moi, on va te ranger. Vous avez la touche L2. Très simple. L2 pour viser avec le viseur. Ou avec l'arc ou avec d'autres choses. Après, sinon, vous avez la touche R1. Vous pouvez voir, pour donner un petit coup, regardez. Tiens, connard! Ah ouais, personne qui court. J'ai peur que les autres courent avec lui. Ou pour frapper, l'un ou l'autre.
En fait, vous pouvez dire R1, c'est pour frapper. Tout simplement. Vous avez la touche... Non, R1, ouais. Vous avez la touche L1, c'est important. Comme vous pouvez voir, en bas, il y a encore d'autres choses après la... Après les petits trucs, bah, voilà, ça j'ai pas besoin d'expliquer, vous voyez. La touche L1 sert pour les raccourcir de l'autre côté. Par exemple là, hop, je mange en faisant L1 X. Vous pouvez voir juste en bas, c'est indiqué normalement. Vous pouvez faire, c'est maintenir R3 pour, par exemple, vous mettre en accroupi ou hop, juste en genou. Attendez, je vais vous montrer. Activer, j'ai dit. Voilà, voyez, hop. Et hop. Accroupi. Oui, là, mon speed est assez fort. Voilà pourquoi je vais assez vite. Voilà. Vous avez le fameux pavé tactile. Ça vous décoche tout ça. Pavé tactile sert qu'à ça. Presque qu'à ça. On va juste désactiver le troisième vue. Hop. Vous maintenez le pavé tactile. Vous avez appuyé une seule fois pour voir la carte. Vous pouvez zoomer sur la carte. Bien sûr. Bah là, j'ai pas mis le truc pour voir mon point de vue, mais voilà. C'est pour après quand vous avez mis votre baraque, après pas mal de trucs, par exemple métal, vous pouvez mettre des points pour me dire métal, machin, machin, machin. Voilà, il y a déjà ça. Ah, on va, merci. Maintenant, je vous apprendre pour les créatures volantes, parce que c'est vrai que les créatures volantes sont un peu compliquées. Hop là. Triangle pour monter dessus, qui est normal. Après, vous avez la touche X pour commencer à voler avec lui. À voler. Et pour atterrir, je vous explique directement les deux touches. Vous appuyez sur X. Appuyez pas sur triangle parce que si vous faites ça, ça fait ça. Vous êtes sorti de la créature et vous pouvez tomber. Là, j'ai la chance, c'est que voilà, mon dragon il est assez grand. Je tombe pas. Mais vous pouvez tomber, puis là, bah, mourir si vous êtes assez haut. Puis... Ouais, vous allez être comme un con. Et oh, tire pas. Vous avez la touche L3. R3, ça sert pour aller, par exemple là je suis lent, pour aller plus vite. C'est la même chose qu'on est avec notre perso. Qu'on veut courir, L3, ouf, vous partez comme Sonic. Voilà. Bien sûr, toutes les créatures sont différentes. Pour l'attaque, par exemple mon dragon, R2 avec ses crocs. Après vous avez R3. Quelques créatures trappent, ça veut dire qu'il peut prendre des choses. Par exemple, mon dragon, je crois pas que lui peut prendre. Ouais, que lui non. Alors, hop. On va juste descendre. On va prendre vite fait quelque chose pour vous montrer. Oui, ouais, il a les noix. J'ai passé un pote à moi qui les a tamés quand on était sur Genesis. Alors voilà. Est-ce que. Non, j'ai pas de monstre qui. Ah oui, j'en ai un. Je crois qu'ils avaient pas sa salle. Comme vous pouvez voir, hop, il est là avec son bec. La spéciale avec ce griffon, c'est que je peux le bec et avec R12. Ah non, je crois que lui c'est qu'avec le bec maintenant. Voilà, hop, avec la touche comme je vous ai dit pour prendre un, pour prendre une créature. Hop, on va juste poser. Merde. Pas besoin de m'éjecter à 10 000 km, hein, ce serait cool. Enfin, comme je vous dis, toutes les créatures sont normales. Pour conduire, ce sera pareil. Il n'y a pas de différence. Enfin, comme ça, vous savez, pour l'oiseau, pareil, comme je vous ai dit, chaque créature a des talents différents. Je vais pas vous expliquer tous les talents de toutes les créatures que j'ai. Bah, ça va me prendre des heures. Mais comme ça, vous savez déjà, pour ces touches, bah, c'est important de savoir au moins à peu près les touches des créatures. Maintenant, vous savez comment voler, comment atterrir. Comment sortir de la bête, comment attaquer la bête, attaquer la même touche qu'avec votre perso, ça changera rien. Il y a juste un seul truc qui change, c'est le zoom. Comme pour utiliser le viseur, si vous voulez zoomer. C'est plus L1 qu'on est dans une créature, c'est R1. Comme vous pouvez voir juste là, avec le dragon c'est R1 et hop. Mon dragon qui est normal, crache du feu. Comme je vous dis, chaque talon et chaque monstre a... touches différents, pas tous, on va dire la base est là, et par exemple mon dragon comme il crash, lui c'est L2. Ah, je me suis trompé au début, j'allais me sentir con. Par exemple, on va juste enlever le zoom, voilà, par exemple,
Le pouvoir spécial du hibou, c'est ça. Ça me génère. Non, hibou. Voilà, merci. Bouge plus, hein. Oh bah mais génial, j'ai bouge plus, moi je me shoot. Comme je vous dis, tout le monde est le brouillard. On va prendre le Quetzal. Ouais, Quetzal fait choper les monstres aussi. Comme je vous dis, ils sont pas tous pareils. Chacun a son talon, des trucs différents. Hop là. Faut pas oublier. Après, qu'est-ce qu'on peut dire encore, un truc intéressant. Je vous ai dit comment déjà... avec ici, avec l'inventaire, avec ça. Après, c'est la même chose avec tous les matos qui sont là, bien sûr. Hein. Divisé, triangle et tout. Ah, je vais vous expliquer ça. Vous avez pu sur rond pour donner un pote. C'est quand même important. C'est la touche. Merde, en plus, je te parle sur un truc. C'est la moitié de l'autre. Je reprends. C'est la touche L2. Pour jeter les trucs à ses potes. Hop, et ses potes, ils ont qu'à prendre. Et voilà. De toute manière, je vais vous dire que normalement, voilà, c'est écrit juste là, jeter, bah, L2 jeter, R1, R2 consommer, c'est-à-dire manger, qui est normal, divisé par 1. Hop, comme vous pouvez voir, j'ai divisé par 1, divisé la moitié, bon là, je peux pas. C'est normal, après, vous appuyez sur X, montrer pour refusionner, par exemple, hop, hop, X, et voilà, j'ai refusionné. Et là, vous voyez voir, moitié. Il n'y a rien qui est difficile. Après, vous avez le tout ça. Inventaire et schéma. R1 pour arriver dans les schémas. Puis vous allez appuyer R1 pour aller dans inventaire ou L1. Non, ça marche pas. Alors, R1 pour changer d'inventaire, schéma pour créer vos choses. Hop, hop. Après, vous avez en haut. Juste, attendez. Je sais si j'arrive bien parce qu'avec ma cam, c'est un peu difficile. Hop, là. Hop, hop, hop. Juste un peu plus là. Où il y a, vous voyez, un sable de sac à dos et d'autres choses. Vous voyez qu'il y a le pavé tactile et le bouton option. Option, très simple. Pour aller à, on va dire, bon, à droite. Si vous regardez comme ça, c'est à droite. Et pavé tactile pour aller à gauche. Très simple. Il n'y a rien de plus. Et le bouton option. Pour arriver aux options. Voilà. Rien, il n'y a rien qui est très difficile. Donc, arc. Après, il y a d'autres moyens, comme là, je viens de faire, pour avoir le code triche, mais ça, voilà. Esprit créé plus tard. Si vous, bon, je vais quand même vous dire comme ça, si vous voulez savoir, c'est R1, L1, carré, triangle en même temps. Donc, côté option là. Pour avoir le dialogue. Voilà, qu'est-ce que, bien sûr, rond, pour avoir sifflé tout le monde, si vous maintenez rond. Parce que j'ai disais que rond, c'est pour quelques trucs, mais pour rentrer dans l'inventaire. Mais si vous maintenez rond, vous avez me siffler et tout. Mais il faut maintenir, hein. Faut pas lâcher, parce que si vous lâchez, il disparaît. Si vous maintenez, il y a toutes les choses, emote, attirer, passif, neutre, attaque et tout ça. Mais ça, j'explique plus tard dans un côté qui est le début tuto pour survivre. Là, c'est un tuto pour apprendre les touches. Voilà. Rien de plus. Mais sinon, là, je vous ai tout expliqué. Normalement, vous arrivez à facilement. Bah, normalement. Voilà. Après, ça vient avec le ton pour les touches. Mais là, je vous ai expliqué à peu près toutes les touches, je crois, si je me trompe pas. Voilà. Après, il faut quand même vous habituer. Parce que je peux pas. Je dis comme ça, non. Je vous ai expliqué les bases. Maintenant, c'est à vous de débrouiller un peu tout ça. Mais normalement, c'est bon. Merci beaucoup d'avoir vu cet épisode. J'espère que ça t'a aidé à apprendre sur Ark, mais si ça t'a pas aidé, désolé si ça t'a aidé. Alors je suis bien content, j'ai réussi ma mission. Amusez-vous bien, et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. C'est tout pour cette vidéo, merci tout le monde. Suivez King Obert 542, ciao les dimanches. Allez, abonne-toi. Allez, laisse un petit like au passage. Allez, abonne-toi.